Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner mes achats Cézanne du mois. Alors en plus, il faut savoir qu'hier c'était mon anniversaire. Du coup, je me suis aussi bien fait plaisir et puis on m'a bien fait plaisir aussi. C'est parti pour mes petits achats Cézanne de ce mois de novembre. On commence avec les boucles d'oreilles, les Flora, que j'ai achetées hier à l'occasion de mon anniversaire. Elles sont vraiment très jolies, elles sont très légères en fait, on croirait pas comme ça mais c'est vraiment très léger. Il existe différentes couleurs, vous avez couleur grenat, couleur bleue, turquoise, couleur verte. Et elles sont très agréables et je trouve qu'elles vont vraiment avec beaucoup de choses. Je les trouve classe, je les trouve en même temps modernes parce que j'avais essayé une autre paire que je trouvais pas si moderne que ça. Ici, je trouve que celle-ci plutôt moderne et elles vont surtout aller avec plein de tenues au quotidien. Deuxième article que j'ai acheté hier, c'est ce Betty. En taille M, donc version léopard. Alors le Betty, c'est un peu une veste gilet, enfin, donc c'est une matière un petit peu complètement différent d'un gilet puisque voilà, c'est une maille très resserrée. Vous avez un revers au niveau des manches, de jolis boutons. C'est une coupe plutôt courte, elle arrive au niveau de la taille. Vous avez aussi également un joli petit col. Vous pouvez le porter ouvert ou fermé. Et il existe encore une fois une déclinaison de couleurs assez jolie. Vous avez en marin, vous avez en noir et blanc, vous l'avez en vert olive, en grenat, en noir, en couleur caramel. D'ailleurs, je vous avais présenté couleur noisette que j'avais renvoyé parce que je trouvais que la couleur ne me sciait pas. Je l'ai pris en taille M, ça me va très bien, en sachant qu'il taille un peu plus petit, donc on conseille de prendre une taille au-dessus. Donc en général, les pulls Cézanne, je les prends S voire XS parce que ça taille vraiment très très oversize et moi je n'aime pas. Donc ici pour le Betty, je l'ai pris en M. Alors pour l'instant pas de photo portée puisque je l'ai acheté hier et voilà, je n'ai pas encore eu l'occasion de le mettre, mais vous aurez bien l'occasion de le voir certainement si je vous refais une vidéo avec mes looks du mois de novembre. Ça ne serait pas tardé de le porter. Enfin, dernier article que j'ai acheté, une grande boîte. Saurez-vous deviner ce qui se trouve à l'intérieur? Eh bien, j'ai craqué pour des boots qui me faisaient de l'œil depuis plusieurs semaines, voire un bon mois et demi. Ce sont les Axel Boots couleur cognac brillant. Il existe aussi également en noir avec un talon un peu original. Haut, mais très 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 confortable. Vous avez également une petite élastique ici si jamais vous avez une cheville un petit peu plus épaisse. Et je peux vous dire que franchement, elles sont ultra confortables. J'espérais que ces chaussures, ces bottines maille, et c'est un véritable coup de cœur pour ce modèle. Où je vous dis franchement, j'aime beaucoup le talon qui est un peu biseauté comme ça, un peu plus fin et plus large vers le bas. Et c'est sûr, encore une fois, que ce sont des chaussures qui sont faciles à porter au quotidien avec plein de couleurs différentes, hein, parce que le cognac, je trouve que ça se marie très bien, hein, comme le noir ou comme le crème. Voilà, donc là, un véritable coup de cœur. Alors, si jamais vous hésitez, vous pensez que j'en avais qu'une, non, j'ai bien deux chaussures, hein, j'ai bien deux pieds. Donc, encore une fois, j'ai hâte de les porter et de vous les présenter dans une prochaine vidéo look. Ne tardez pas parce qu'elle commence à disparaître. Elle commence à avoir son petit succès. Et voilà, en tout cas, taille normale. J'ai pris en 36. C'est parfait. Je ne me sens pas trop serrée dedans. Donc voilà, je vous recommande votre taille habituelle si jamais ces chaussures vous intéressent. Donc les Axel Boots. On passe maintenant à un article que j'ai acheté début novembre. C'est la veste Christie's pied de poule.
qui va également avec la Malia que je vous avais présentée, que j'avais achetée en septembre. Je ne pense pas faire le look en entier, pas sûr, parce que j'ai pas trop envie que ça fasse trop solennel, trop strict, la jupe avec la veste, quoique on peut toujours tenter. J'ai vraiment choisi pour le côté intemporel du pied de poule couleur marron rouge. Clairement, j'ai un petit peu hésité parce que je sors de ma zone de confort. C'est pas le style de veste que je porte, mais à force de le voir sur certains looks, eh bien écoutez, ça m'avait vraiment donné envie de tenter l'aventure. Et hier justement, le jour de mon anniversaire, ben c'est le premier jour où je l'ai porté. Et ce look-là, eh bien écoutez, je l'ai vraiment apprécié. Alors, c'est une veste qui est en laine et je peux vous dire qu'elle est bien, bien, bien chaude. Donc, c'est très agréable à porter, à mettre... avec seul, j'ai envie de dire, lorsqu'il fait un temps encore convenable, mais vous pouvez bien évidemment rajouter par-dessus un imper ou bien pourquoi pas un manteau oversize si vous voulez le garder plus pour l'hiver. Au niveau de la taille, je l'ai pris en 40 pour mon 38-40 habituel, tout simplement parce que je comptais pouvoir mettre un gilet par-dessus. Alors voilà. Comme ça, vous allez voir, je vais le porter, même si ce que je porte aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. Mais voilà. Donc, comme vous pouvez voir, je peux le porter avec un gros gilet, encore un top en dessous. Et ça me va parfaitement. Voilà, donc la taille va. Alors, attention, ce que je pourrais dire, c'est qu'au niveau des longueurs des manches, moi, je suis petite et c'est limite. Alors après, c'est pas grave. En général, les vestes, c'est assez sympa de voir le gilet, la chemise qui dépasse de la manche. Mais si jamais vous êtes vraiment grand, peut-être que la veste sera un peu juste. Vous avez un peu effet épaulette pour donner de la carrure. Ça se ferme par deux boutons et il y a deux poches que vous pouvez défaire. Là, il y a la petite couture pour pouvoir... les ouvrir si vous voulez. Et franchement, elle est impeccable, elle est bien chaude. Je pense que je ne devrais pas regretter cet achat. Alors ensuite, on continue avec deux pantalons. Alors je ne sais plus si je vous les avais présentés, parce que je les ai achetés plutôt fin octobre, mais les pantalons devaient aller chez la couturière pour pouvoir faire les bords, parce que vraiment c'était beaucoup beaucoup trop long. C'est le Martin, donc qui est vraiment mais d'un confort incroyable. Alors c'est vraiment un modèle de pantalon coupe droite, plutôt voilà, version tailleur, bien habillé, mais décliné avec un pull, une chemise en jean, une veste en cuir. Eh bien, elle passe vraiment parfaitement au quotidien. C'est d'un confort, vraiment d'une souplesse, je l'adore. Pour l'avoir testé, parce que comme vous voyez, il y a encore l'étiquette, je ne l'ai pas encore vraiment porté, parce que je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Et puis ici, il fait vraiment pas très très froid, mais cette semaine, je vais le porter. À l'intérieur, c'est doublé. Du coup, le lainage ne pique pas les jambes, parce que j'avais déjà essayé d'autres modèles où je sentais que ça piquait, c'était pas doublé. Donc ici, c'est un pantalon en laine, donc pour l'hiver, ça sera parfait. Avec, un bouton et puis la petite tirette pour fermer le pantalon. Vous avez deux fausses poches à l'arrière et franchement voilà, j'ai hâte de les porter parce que ça va encore faire un look plutôt sympa qui change de ce que je peux porter, mais voilà, mais c'est un look que j'apprécie. Ensuite, le deuxième pantalon que je me suis acheté, pareil, toujours même période, c'est le Dan. Donc là, on est sur un jeans pareil, coupe droite taille haute avec deux fausses poches derrière. Je l'ai également raccourci de 14 cm pour vous dire qu'il était bien long. Alors je l'ai pris en 40, hein. Les deux, je les ai pris en 40. Le Martin taille 40, j'ai de la marge un peu, mais je pense que 38 aurait été trop petit. Par contre, le 40, je suis pile dedans. Donc, c'est-à-dire que j'ai un peu de marge, mais quand on s'assoit, on sent qu'on est un peu serré. J'avoue que j'ai pas l'habitude de porter ce genre de pantalon. Moi, c'est toujours avec du stretch, soit pas taille haute, quoi, voilà, pas taille basse non plus, mais voilà, taille moyenne. Donc, quand on s'assoit, on n'est pas trop serré par la taille. Ici, clairement,
temps. Voilà, il faut s'habituer. Bon, bah alors ça permet de pas trop manger à midi, parce qu'autrement, quand on a le ventre gonflé, on est vite serré avec le pantalon. Mais voilà, moi je trouve qu'il est très bien. Vous allez voir des photos, parce que je l'ai porté déjà plusieurs fois cette semaine. Et sinon, j'adore sa coupe. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de compliments avec ce pantalon. Donc le Dan qui existe en d'autres couleurs, d'autres coloris, si jamais il vous intéresse. Donc attention au niveau de la taille. Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille au-dessus. Si vous êtes très grande, franchement, n'ayez pas peur, parce qu'il est bien long. Alors, dernier achat, eh bien écoutez, c'est cette jupe que j'ai achetée sur Vinted. Voilà, j'aimais bien son imprimé. C'est une ancienne collection, c'est poupée russe. Alors, je l'ai pris en taille 40, mais attention, les 40 de auparavant taillés plus petits. Donc, c'est un 40 qui vaut un 38. Donc, heureusement, moi, je la monte très haut à la taille. Donc, comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais retirer le micro pour que vous voyez de plus loin. Donc, voilà cette jupe plutôt à porter avec des bottes. Voilà, comme ça, ce serait mieux. Donc, voilà, avec des bottes. La jupe a une fente, comme ça elle est ouverte, ça fait un peu jupe portefeuille, faussement portefeuille puisqu'elle est arrêtée ici. Et voilà, c'est un modèle que j'aime bien, j'aime beaucoup l'imprimer. Je trouve que encore pour cette saison, elle est vraiment possible à porter. Voilà, donc à retrouver sur Vinted. Les prix restent encore assez intéressants, donc je vous conseille. Mais faites attention, ce genre de modèle taille un peu plus petit, puisque c'est l'ancienne version. Voilà pour cette vidéo de mes présentations, de mes tenues, de mes achats, pardon, du mois de novembre de chez Cézanne. Bon, vu tout ce que j'ai bien acheté, dans la logique des choses, vous n'allez pas voir grand-chose pour le mois de décembre, parce que j'essaye de me mettre en priorité, de mettre de l'argent de côté pour les archives qui arriveront au mois de janvier. Et j'ai l'envie de m'acheter un manteau. Les manteaux chez Cézanne, il faut compter 300-350 euros. Donc je me dis que si je peux faire une bonne affaire durant les archives, si je suis rapide, ce serait parfait. Donc voilà, ça c'est mon dernier objectif Cézanne, c'est un joli manteau que j'espère choper aux archives, mais on n'y est pas encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On se retrouve très vite. Portez-vous bien. Kiss, kiss.